messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui prennent le fait essentiel journal. Président République là, Joseph Michel Martelly, inauguré jeudi vendredi 17 avril 2015 là, travail construction 25 cailles collectif dans Mont Lazare, en Val-de-Renny, canapé vert, côté inauguré tout, travail construction, place publique, canapé vert, qui construit sur une superficie 3497 m². OPL annoncé pour samedi 18 avril 2015 l'an, élection primaire pour arriver désigné candidat pour présenter parti à la prochaine compétition électorale. Nouveau sitting, diverses organisations populaires, journée vendredi 17 avril 2015 l'an, devant Cour des comptes. Objectif mouvement ça, c'est pour demander pour la Cour des comptes pas livrer certificat d'échange à ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive et puis Laurent Salvador Lamotte. Dans le pays l'autre bord de l'eau, situation tension en Afrique du Sud, surtout dans la ville Johannesburg, côté diverses scènes pillages enregistrées contre commerçants étrangers, ça qui t'a soulevé pour les lacailles immigrés qui reprochaient le gouvernement sud-africain à cause de l'hypata protéger le commerce étranger qui vivent en Afrique du Sud. Sur goutte et les vieux. Recette à gauche sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation commencée à Yago. Des bananes, abricots, chocolat, vanille. Les des fraises, des framboises, des chargées, vitamines. Yago. Tout si moun yo remè Yago. Tout si moun yo remè bwè Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font y pocher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Inibank fait poter pour nous. Oui. Toujours à travailler plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. Oh. C'est empreinte digitale, nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté. Oh. Empreinte digitale seulement. Sans donner à mon copain. Inibank pas pour dormir. Toujours à innover. Alpeka, Inibank tout côté, pas ou là. Même n'importe si qui sale, à tout agent autorisé Inibank. À 4 si là, si on y paraît, bah empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service à bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout pays. Ouais, papa! Prêt! Inibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Président République là, Joseph Michel Martelly, inauguré 25 cailles collectifs dans Mont Lazare et puis remettre clé by bénéficiaires journée vendredi 17 avril 2015 là. Projet ça qui joint financement gouvernement américain à travers fonds reconstruction d'Haïti, te duré 16 mois à qui montant $910,738 américains. Dans intervention, chef l'État haïtien a dressé un bilan positif dans quatre différents action li déjà posé et puis plaider en faveur unité dans mitan population hein, ça qui selon numéro 1 palais national là pral contribuer dans développement pays ya. Président République là Joseph Michel Martelly té dans micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste parce que population gen volonté pour vivre dans meilleure condition tout bon ta remen sorti dans zone qui chargé la boue ben anti kayton coulé. Et vous dire à nous montrer nous que l'impossible, ou qu'on obligé de mettre un petit bagage,
La preuve, c'est que tout le monde là met un petit bagaille. Ça met des têtes, ça met des petits corps en plus pour participer dans le projet. Et je dois vous dire, soit mettre corps ou là-dedans, ne pas même respecter son gain. Depuis qu'il y a deux fois, quand on va objeter, on va craser, on va occuper le bien. C'est l'on investit là-dedans qu'on reconnaître valeur bagaille là. Donc le fait que investit là-dedans, nous n'aurons pas fait plus. Et puis là, fini, songez côté de vivre. Je dis à garder espace là, pas même de caille là, garder espace là, pied bois, verdure, côté pour nous passer, ruel normal, espace pour nous chita. Je vais garder toilettes hygiéniques nous. Hôtel 5 étoiles, ça bon. Donc c'est pour me dire que pendant pile fois nous chita là, nous dans zone là, nous dans des radios à parler, gouvernement mal, pendant pile fois nous chita là, manifestation a passé, moi des présidents allés. Pendant pile fois, n'attendez opposition qui a dit pouvoir pas faire hein. Vos diam qui a dit nous pendant yo t'a parlé, mais ça n'a pas fait. Parce que ça, c'est pas un projet qui prend nous 15 jours ou moins, son baraque qui prend nous minimum de 2 ans pour nous démonter, caille ça y là. Et au total, nous avons 25 bels abattements qui permettent mon yo, plus fier de tête et vivre dans meilleures conditions. Donc, nous croyons que, pendant nous finissons parler de programme, ça a gagné lieu pendant la partie de l'élection, nous parler de politique. Je veux dire, ma profiter de nous, nous vivons changement, nous ouais changement. En 2010, les têtes calées t'ont fait campagne. Julie, je te salue. En 2010, les têtes calées t'ont fait campagne. Nous avons une chance à tête calée. Nous avons dit, monsieur, son petit flanet pareil, nous petit chanteur. Monsieur, qu'on fait nous rire, monsieur, marcher dans le temps nous. Monsieur, tolérer nous, le respecter nous, le vivre dans le temps nous. Il comprend nous. On prend une chance à pitié. Et là, nous prenons une chance à pitié, nous permettre de pitié à battre. On paquet de grandette, mon guide Dieu fort. Bon côté parle directeur exécutif unité construction logement et bâtiment public yo Ari Adam annoncé travail réhabilitation yo pral faire dans zone qui pi vulnérable yo et puis qui était touché par catastrophe 12 janvier 2010 là. Ari Adam c'est directeur exécutif unité construction logement et bâtiment public yo qui était dans micro Wilton Eliassin avec Muller Baptiste. En communauté et puis accepter partager ensemble un espace côté kounien yo gen un logement décent, un logement sûr et enfin yo gen un espace commun côté capable vivre côté petit moun capable courir dans environnement. Bon l'autre aspect nous pas parlé suffisamment c'est que à travers opération ça nous permettre que kay que te gagné que nous sommes capable dire qu'il était un petit kay très modeste qu'on vient dans une kay qui très prisé là nous camper dans balcon que n'a regardé nous gon vue qui imprenable sous jalousie nous gon vue sous Pétionville nous là n'a regardé l'hôtel qu'a construit dans pays là nous un environnement agréable et donc kay que nous gagné kounye là pour lequel nous gon papier en bonne et due forme il vient pour une valeur importante sur le plan économique qui pourra permettre que famille ça yo capable de quelques années adresser yo en banque et obtenir un financement pour capable mener activité yo et entreprendre propre développement personnel pa yo. À côté 50 unités de logement ça yo moins dit qui construit en ici là et Mont Lazare nous gagne 250 autres unités qui a construit dans quartier Canapé Vert Néret avec même démarche participative ça côté l'état main en main avec population ensemble à chercher une solution pour bien-être yo. Donc comme ça dit faut ne pas oublier que terrain ça c'est des terrains privés et pas répéter avec force mais qui pas appartenir à un monde et qui appartenir à une communauté kounien et son nouveau concept et c'est sous base ça que programme gouvernement dans et pour ton réponse à problème logement qui gagne dans le pays là c'est sous base ça que nous allons construire en grande partie. Après Mont Lazare chef l'état pays a terrenni canapé vert dans cadre inauguration place publique canapé vert qui construit sur une superficie 3497 m². Président haïtien Joseph Michel Martelly pour plus de détails. Marché voletol. Un programme de ça pas gagner derrière toi le bio tout voletol. En tout cas Vodian retire ton là sous place canapé vert et nous découvrons espace qui belle. T'as l'air moi deux trois petits monde qui a couru des présidents qui a monté sous gazon.
pas craser gazon, pas arracher pied bois, c'est pour nous lier qui déplace la belle. Espace ça là, m'a songé que 4 ans ça m'a fait campagne de vin à la bébé. De son podium et que yo te fait que de payer un podium en bois, gagé son bon ba peuple la message là. Et même m'a dit tout le monde qui va faire campagne année ça. Tout le monde, toute opposition, tout le monde qui te dit fait et tout le pas gagner. Les a fait campagne année ça, m'offre yo bel espace ça, yo vinn parler à monde dans canapé vert. Président Matéli offre un bel espace ça. Alors même m'le dit nous merci d'être nous débat Haïti chance ça. C'est jeunesse là, c'est monde qui te quoi dans chanteur parce son chanteur qui t'a marché vivre dans pays là. Nous dit n'a prend chance à chanteur, nous bloquer pays là pour nous faire Haïti bénéficier un président moderne, dernier modèle artiste international de la pire. Et président Vini les fini là, même côté à soi dans le cap palais, c'est éducation gratis pour peuple, pour petit peuple. Vous avez des autobus qui mènent, petit monde l'école, petit monde qui est, petit peuple. Vous avez des belles places publiques à faire pour qui est, pour peuple. Vous avez des logements sociaux à faire pour qui est, pour peuple. En 1804, de 1804 à 2011, en Haïti, il y a 17 écoles professionnelles. L'école professionnelle, c'est là pour un jeune garçon, une jeune femme passée, pour la faire tête libre, pour la sortir avec une formation, pour le toucher beaucoup de la travail. Eh bien, il y a fait 17 l'école professionnelle avant le président. Pendant le président, il a bâti 12 l'école professionnelle. Ça veut dire, tête calée, en 3 ans, 4 ans, fait presque même bagarre à ça, n'est que fait pendant 200 ans. Mais ça y aurait les routes avancement. L'autre, un pack sportif. Pack sportif. Nous sommes le président. Ou te gen Dadadou, ou te gen Centre Sportif Kafou, ou te gen Saint-Thérèse ou gen Stade Silvio Gato. 4 packs sportifs, 4 centres sportifs qui te gen. Jodi à la, ou gen 30 centres sportifs. L'autre information, représentant diverses organisations populaires, te planté piquette qui au bien bonnet, vendredi 17 avril 2015 l'an, devant local qui logeait la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs. Objectif sitting ça, c'est pour représentant organisation yo mandé pour la Cour des comptes pas livrer certificat des charges à ancien premier ministre Jean-Max Bellerive et Laurent Salvador Lamotte pour y aller participer dans prochaine compétition électorale yo. André Fado, c'est coordonnateur général Monop qui t'a porté plus précision dans micro collaborateur nous Jacqueline Elmier avec Jean-Pierre Vita. De devant paquet pour nous demander paquet pour le servir contre ensemble de monde qui fait crime politique, qui fait crime économique en dans pays. Là nous parler de crime économique, monde qui impliqué dans l'argent pétro-caribé, pas capable ba explication. Monde qui impliqué dans dollar 50 yo t'a prend sous monde, sous question l'école, yo pas capable ba explication. Monde qui impliqué dans taxe dans l'argent t'a prend sous téléphone monde, yo pas capable ba explication. Et bien ça yo relé crime économique. Nèg yo dilapide des fonds publics là, nèg yo font paquet de contrat gré à gré. Jodi a personne moun pa konn ki kote yo ye. Et nous-mêmes nous tout constater li genyen des offres privées en nan peyi a. C'est avant hier yo recycler mon bateau, mais nous pa konn ki tan date droit que ça yo a vini. Et mais c'est des droits, c'est l'argent yo pral utiliser dans affaire élection pour récupérer pouvoir. Nous-mêmes nous dit l'argent sale, l'argent drogue, l'argent pétro-caribé, l'argent CRH pas capable vini yon l'autre fois. Vin mettre code dans coup peuple là pour kembel dans l'esclavage, pour kembel dans l'occupation sous tutelle internationale. Et bien dans le cadre ça nous même nous présents là pour nous dire non seulement avec Cour supérieure des comptes pour ne pas délivrer aucun papier par personne qui impliqué dans crime politique, crime économique dans pays là, mais nous mandé nous vinn là tout pour nous tout voir un message par paquet, nous voir un message tout par DCPJ, nous tendre cap on sait des certificats. Pourtant nous connaît la famille présidentielle, yo gagné des plaintes qui déposer contre yo pour détournement de fonds. Nous connaissons un paquet de l'autre monde, ils ont déposé plein de comptes dans la justice, soit dans le DCPJ ou bien dans le paquet, parce que yo pas clean, yo pas propre. Et bien nous, la justice, lui même chose, avec clean tout le monde. Nous, même ensemble de monde, peut parler pour dire bateau ça, c'est dans la messe que doit ça débarquer. Yo perdu pour qui famille et doit ça y est. Yo même perdu si c'est pour accralier. Et bien, je pense que aujourd'hui, il faut que tout le monde ait responsabilité. Parce que la question de drogue, c'est lui même qui détruit jeunesse là, c'est lui qui détruit le pays. Aujourd'hui, si nous dans une situation, nous avons un monde qui est inconscient, c'est parce que nous avons un monde qui a utilisé le drogue pour des bagailles. Son crime international drogue là, et faut que nous même, quelle que soit famille qui est impliquée là-dedans, il faut que tout le monde ait responsabilité pour nous combattre et pour nous dénoncer. Et maintenant,
parti politique OPL annoncé pour samedi 18 avril 2015 l'an élection primaire dans département l'Ouest là pour arriver désigner candidat qui pourra le représenter OPL pour poste président dans cadre organisation prochaine compétition électorale. 500 délégués qui sorti dans 20 communes dans département l'Ouest là pral gain pour choisir une parmi quatre candidats yo. Le gagnant Jean Erol, c'est secrétaire général commission électorale OPL qui était dans micro Jacqueline Elmier avec Jean-Pierre Vita. Là, mon sa yo c'est ingénieur Edgar Leblanc fils, ancien président Assemblée nationale là et puis tout ancien coordonnateur national parti. Docteur Francisco de la Cruz qui c'est actuel sénateur de la République pour OPL et puis coordonnateur en après parti. Nous gagnons Père Annick Joseph François qui c'est lui-même tout sénateur pour parti et puis il se porte-parole en après. Et en dernier lieu, nous gagnons professeur Sauveur Pierre Étienne qui c'est actuel coordonnateur parti. Journée vote là a commencé bon 8h na matin. L'a gagné pour finir bon 4h na après-midi. Quand ça tout, il est arrivé jusqu'à 5 heures, jusqu'à ce que nous proclamions le résultat. La commission électorale là, a bien pour faire voter 500 délégués qui ont sorti dans 20 communes qui gagnent dans le département de l'Ouest. Là. Nous répartissons 500 délégués en 5 bureaux de vote à raison de 100 par bureau. Nous prenons besoin disposition pour que dans chaque bureau ça y ait 3 sous affaires sécurité dans déroulement journée vote là. Nous prenons disposition pour nous capables identifier tout délégué pour nous séparer de l'autre monde qui est présent dans l'espace là, que ce soit supporteur OPL ou bien monde qui voulait suivre processus là ou bien observer tout simplement. Dans ce sens, nous invitons toute la presse là. Nous invitons tout le monde qui est intéressé. Pour regarder pour voir comment ça va le passer. Nous disons, nous c'est OPL. Nous baillons le temps à la primaire. Même si nous habitués à faire là. Coordonnateur départemental l'Ouest OPL là, Hervé Saint-Illus, annoncé parti après le traîner nouveau président KEPA la justice. Selon Hervé Saint-Illus, Pierre-Louis Opon pral gagner pour le bail plus explication sous déclaration l'été fait sous publication résultat élection 2010 passé. Déclaration coordonnateur l'Ouest OPL là, Hervé Saint-Illus. Sous présence Mouché Opon comme président conseil électoral là. Et monsieur a joué un gros rôle dans l'élection 2010 parce qu'il était directeur général, il était responsable opération électorale et il t'a dit devant en présence moi résultat que il t'a bail là dans l'élection 2010 c'est pas lui même qui sorti. Nous même dans l'OPL par rapport à inquiétude, doute sous présence au pont comme nouveau président conseil électoral là, nous connaissons qu'il a fait manipulation. Et bien nous dit n'a mettez de garde-fou, n'a mettez de balise pour éviter ça qui est passé en 2010 ans, li pas répéter en 2015. Sommation fait chemin, mouché au pont pas répondre, ensemble de déclarations qu'il te fait à mon humble avis, li camper derrière. Et bien, nous prenons une deuxième étape après sommation, et bien nous pourrons traîner monsieur la justice d'ici semaine prochaine, n'a relé monsieur la justice, nous pourrons non parquet, et bien pour mouché au pont, vin dit devant la justice qui est ce monde. Qui vrai résultat que tu sorti dans l'élection 2010. Mouché au pont déjà pas répondre à la sommation parce que date sommation est passée déjà et c'est ça que fait nous dit après deuxième phase ou deuxième étape non et bataille là. Il qu'a décidé pas répondre. Sommation déjà passé le pas répondre. Il qu'a décidé continuer pas répondre à plainte nous pour le déposer contre lui. La justice ou à jouer Wally dans question ça.
dossier éducation divers professeurs qui enseignent dans l'académie quand nous dans range quoi des bouquets dans cadre programme insertion sociale et scolaire Timoun Lario dénoncer comportement autorité yo dans ministère éducation nationale qui pa paye yo depuis environ 6 mois. Professeur Sayo mande pour gen bon jan disposition qui adopté pour faciliter yo joindre l'agent 6 mois l'état haïtien doué yo. Parez Pétuel ak Celestin Fabiola cédé dans enseignant yo qui t'a porté plus détail dans micro radio télé éclair. Enseignant Mary Luc Nepribia ménagère Terlan Vilta enseignant. Pour préciser pour peut-être gen moun qui ka regarder qui ka dit bien immédiatement contrat nous fini ka décider. Les contrats étaient finis le 30 septembre 2014. Là, l'État, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, était doué nous 6 mois. Et l'année académique a déjà commencé, nous pas qu'à camper. Nous avons continué de travailler jusqu'à ce que, jusqu'à fin octobre, nous avons payé nous reste COB 2013-2014. Là. C'est nous continuer le mois de décembre, nous avons fait examen pour Timounio. C'est nous attendre en février, nous avons un groupe et nous avons parlé. Là nous demandé pour qui ça yo parler nous demandé est-ce que c'est pour manifestation nous t'a faire devant ministère est-ce que ça fait yo parler et nous même enseignants ça nous là nous fait partie des 600 enseignants que ministère éducation nationale t'a formé à concours banque mondiale de 2008 à 2012 dans 600 ça yo t'a relé 100 yo fait une formation pour yo 100 premiers moyenne yo dans 100 premiers moyenne yo yo t'a relé 36 après toute l'autre yo lagué dans la nati tandis que yo dit yo voulait une autre éducation. Les n'a considéré dans qui état système éducatif là non en décomposition. Les nous garder qui éducation y a bail dans l'école l'état aussi tout pour nous même qui formé jodi a yo relé nous pour travailler après yo yo lagué nous sous prétexte budget coincé alors que c'est poste y a fait pour petit famille pour petit clan pareil yo nous mandé pour payer nous 6 mois yo doué nous et l'année dernière moi même qui parler. L'année dernière, j'étais dans la 6e année. Je parle de 6e année. Simon Sayo n'a pas même vos bon 4e année. À savoir, Simon Lario qui était âgé en 10 et 18 ans. Dans 6e, 10 et 18 ans. J'étais voyé 6. Tous les 6 bon dans la 6e année. Ça veut dire 100%. Tandis que y a 104 l'école sur tout le territoire qui était 0%. Eh bien, Simon Sayo, l'État te dit. Mira Arisna, pas de rapport pour dire que pour que nous travaillons. Moi, c'est secrétaire à l'école là, madame n'a toujours fait, mettez faire de présence là pour notre pour professeur aussi hein, et nous même dans direction tout pour nous aussi hein. Copie on met nous, madame n'a gain original là, mais n'a demandé comment madame n'a fait pas remettre rapport dans ministère là pour dire que n'a travail parce que lui même il était gain dans mais il était connaît ça là pour le faire. Si qu'on y a la madame Ira pas bail rapport, c'est que lui même l'a payé nous dans poche lui. Nous avons bien aimé connaître est-ce que madame Ira c'est ministère là qui paye nous ou bien lui-même la paye nous dans poche. Pour ça lundi si Dieu veut bien bonheur nous tout après retourner dans place nous va le travail normalement parce que ministère là pas relé nous il pas écrit nous pour dire nous que nous mettre camper travail n'a retourner travail c'est madame Ira qui a metté mon dans poste c'est lui même qui a révoqué mon c'est lui qui a ba mon si ministère la voyé un monde pour secrétaire madame Ira ouais c'est lui même c'est sécurité le boulier qu'on y a là nous même nous pas besoin qu'on ait bagaille comme ça. À l'étranger, dans le pays Irak, un représentant parti Baas la démenti toute rumeur qui t'a fait croire ancien proche collaborateur ex-président Saddam Hussein, Izad Ibrahim Al-Douri, t'a mouri pendant une opération militaire dans le parti Nord-Bagdad. Selon gouverneur province Salaheddin, résultat test ADN yo a officiel dans pas longtemps pour confirmer si c'est Al-Douri, un monde qui t'a considéré comme cerveau groupe État islamique dans le pays Irak. On suit un reportage avec Euronews. Il était le roi de trèfle sur le jeu de cartes du Pentagone après le début de l'intervention américaine en 2003 en Irak. Ancien proche collaborateur de l'ex-président Saddam Hussein, Izzat Ibrahim Al-Douri, a été tué lors d'une opération militaire, selon le gouverneur de la province irakienne de Salaheddin, province située au nord de Bagdad. Le dirigeant local a également indiqué qu'Al-Douri était considéré comme le cerveau du groupe État islamique en Irak. L'information concernant son décès a été démentie par un représentant du parti Baas, l'ancien parti de Saddam Hussein.
Les autorités irakiennes ont annoncé à plusieurs reprises la mort d'Izzat Ibrahim al-Douri. Mais cette fois, une photo représentant un homme ayant les mêmes traits et les mêmes cheveux roux que l'ancien haut responsable a été diffusée par la chaîne de télévision Al-Arabiya. Selon le gouverneur de la province de Salahidin, des tests ADN ont été effectués et le résultat sera connu très prochainement. Situation tension en Afrique du Sud, surtout dans la ville Johannesburg, côté diverses scènes pillages enregistrés contre commerçants étrangers, ça qui t'a soulevé colère la caille immigré qui reprochait gouvernement sud-africain à cause li pas ta protéger commerce étranger qui vivent en Afrique du Sud. On suit un reportage avec Euronews. La tension reste vive en Afrique du Sud, théâtre depuis trois semaines de violences xénophobes. À Johannesburg, des commerces tenus par des étrangers ont à nouveau été pillés dans la nuit, suscitant la colère de ces immigrés qui reprochent au gouvernement sud-africain de ne pas les protéger. Ces Nigérians ne comprennent pas la haine dont ils font l'objet. Ils nous détestent, mais on ne sait pas pourquoi, dit cet homme. On ne prend pas les emplois des Sud-Africains, on se débrouille tout seul. Pendant l'apartheid, on a soutenu l'Afrique du Sud, donc on veut que le gouvernement comprenne que nous sommes unis. L'Afrique du Sud compte quelque 5 millions d'immigrés originaires pour la plupart des pays africains. Dans une nation marquée par un chômage grandissant, ils sont devenus des boucs émissaires. Le gouvernement condamne les violences dont ils font l'objet et dénonce une violation des valeurs sud-africaines. Les récentes attaques contre les étrangers, en particulier contre nos frères africains issus de différents pays d'Afrique, sont une menace à nos accomplissements historiques en tant que nation. La veille, quelques 4000 personnes avaient défilé à Durban pour dénoncer ces violences anti-immigrants qui ont déjà fait plusieurs morts. L'ONU, qui se dit préoccupée par la situation, a également annoncé le chiffre de 5000 étrangers déplacés. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui étaient faits essentiels au journal. Président République là, Joseph Michel Martelly, inauguré jeudi vendredi 17 avril 2015 là, travail construction 25 cailles collectifs dans Mon Lazare, en Val-de-Renmi, canapé vert, côté inauguré tout, travail construction, place publique, canapé vert, qui construit sur une superficie 3 497 mètres carrés. OPL annoncé pour samedi 18 avril 2015 là, élection primaire pour arriver désigné candidat pour aller présenter parti à la prochaine compétition électorale. Nouveau sitting, diverses organisations populaires, journée vendredi 17 avril 2015 là, devant Cour des comptes. Objectif mouvement ça, c'est pour demander pour la Cour des comptes pas livrer certificat d'échange à ancien premier ministre Jean-Max Bellerive et puis Laurent Salvador Lamotte. Dans le pays l'autre bord de l'eau, situation tension en Afrique du Sud, surtout dans la ville Johannesburg, côté diverses scènes pillages enregistrées contre commerçants étrangers, ça qui t'a soulevé pour les lacailles immigrés qui reprochaient le gouvernement sud-africain à cause de l'IPATA protéger le commerce étranger qui vivent en Afrique du Sud. Ces principales informations qui t'a dominé l'actualité. Merci pour patience et fidélité que vous avez accordé à ce journal. Restez branchés pour suite programmation télévision. Bon week-end tout le monde.